Le manège est le même depuis le 12 février dans cette salle de classe de l'école publique d'Akwa, l'une des 5 écoles publiques à avoir été choisie pour le projet Club Lecture Élite, en abrégé CLÉ. Recycler et transformer en de nouveaux objets. Il s'agit pour ces derniers de lire les romans qui leur ont été offerts par les promoteurs du projet, le Lions Club Dollar Paradise, en partenariat avec les associations Kalati qui pourvoient les livres et Hope Africa qui offre des bibliothèques et l'Institut français du Cameroun qui formera les bibliothécaires. Lire pour retenir les mots et leur orthographe en relevant les mots difficiles. J'ai relevé les mots difficiles, ce sont tronchu, fripé, tignasse. Les élèves participent allègrement au projet qui participe donc à relever leur niveau de langue française. Et depuis le lancement, les premiers résultats sont perceptibles. 5 écoles pilotes Akwa, Bonapriso 1 et 2, Dibom et Ndokpassi ont été sélectionnées pour le lancement du projet. Nous avons mis l'accent sur les établissements dans lesquels on peut retrouver les enfants démunis. Donc ceux des enfants qui ont difficilement accès aux livres. C'est eux que nous avons ciblés et c'est à eux que nous avons distribué les manuels qui ont été mis à notre disposition. Ainsi, tous les jours pratiquement, les membres du Lions Club Dollar Paradise font des descentes dans les écoles afin d'apporter leur contribution en apprenant aux élèves à bien lire. Un acte citoyen, l'une des valeurs du Lions Club, association essentiellement tournée vers le service. Le 20 mars prochain, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, les différents lauréats seront connus, mais l'essentiel, c'est de participer.